voit pas forcément. Ce que je veux, c'est voir son visage. Il faut être face à elle. Elle, elle se met comme ça. Les fesses par là, le visage par là. Ouais. Moi, je suis à plat. Avec mon long téléobjectif. Ouais. Moi. Pour essayer d'avoir les deux balles et son regard concentré. Elle va être avec un petit haut et des petites bretelles. Et elle va être un peu à quatre pattes en bas du studio, en train de faire ça avec deux balles. Ouais. On va voir son visage, c'est un gros plan sur son visage. Comme on est en noir et blanc, il faut augmenter un petit peu le contraste par rapport à ce que vous avez l'habitude à faire. Comme ce que tu fais là pour toi, toi c'est déjà très contrasté. Ça, pour du noir et blanc, ça ressort très bien. Après, juste éviter les brillances. Donc, bien matité, bien stigmatisé. Voilà. Qu'elle soit mate, qu'elle soit un peu. Tu prends juste le grand parapluie ou tu veux une autre? On va les faire avec le grand parapluie. Ouais. On va mettre beaucoup plus bas. Et donc, t'as pas besoin. Ah, oula, mais bon. Là, c'est important parce qu'il faut définir si c'est vertical ou horizontal. Ouais, mais je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je ne saurais le dire. Ah, donc on va shooter carré. C'est la première maquette. On va shooter carré pour vous laisser de la place. Ouais. Avec pas mal de place sur les bords. On a des poids de fichiers, on est à 35 mégas. Comme ça, s'il faut recadrer vertical ou horizontal, vous pouvez. Le temps de lumière. Oui, la lumière, c'est bon. On va voir les balles. Et on regarde les boules. Les balles, pardon. Donc là, il faut éviter de donner les coups de torque. C'est bien ça, alors. Sauf que on mettra, pour voir la pichenette, le mouvement du. Oh, on mettra les balles, séparées. On les mettra. Oui, on mettra les balles. Je veux dire, une là, si là. Parce que là, la position de sa main, elle est plutôt bien. Et du coup, on mettra la deuxième là. Ouais. Oui, là, le cadrage n'est pas encore ça. Moi, regardez mon éclairage. La seule chose. C'est pas cramé derrière, on est juste bien. Et au point de vue ouais, non, c'est bien. Je vais m'aplatir encore et le modèle aussi. Du coup, elle a les yeux baissés. Elle a les paupières fermées. Ouais. Alors, est-ce que c'est. Oui, non, mais si on est tous plus à plat et qu'elle regarde les balles, on sera bon. Donc, moi, je vais m'aplatir complètement. Après, c'est la concentration. Quand tu étais aplati, c'était mieux. Ouais. Et si ton pied qui est en l'air peut se retrouver vers le centre, c'est vachement bien le pied. Ouais, nickel. Et là, c'est la concentration. Isabelle, là, tu te concentres. Ah, il faut que j'en ai les balles. Oui, non, mais bon, ça va, là, c'est plus juste. Un petit pied en l'air. Ouais. Vous êtes à plat ventre sur un beau fond blanc, immaculé. Ouais, vous avez un pied en l'air, histoire de mettre un peu de truc dans le fond, quoi, ouais, pour ouais, un peu de vie dans l'arrière-plan, qui sera flou. Et on voit juste votre regard, donc, concentré, précis, en train de taper sur les petites boules. Est-ce que ça dérange la... Ah non, moi personnellement non. Non, c'est par rapport à la photo, moi ça ne me dérange pas. Bah non, au contraire, ça met de la vie, ça en fait un petit éclat. Si c'est votre truc fétiche. Ouais, c'est vous qu'on montre votre personnalité aussi, vous-même, hein, pourquoi pas. Ouais. Moi j'ai rien à faire, c'est plus manque, ça va. C'est bien, oui. Ce qu'on va faire, c'est quelque chose dans ce genre-là, mais ça sera plus à plat pour d'accord. Vous comme pour moi. On verra mieux les balles, mais c'est parce que tout à l'heure on n'avait pas bien scotché, d'ailleurs elles ne sont pas encore parfaitement scotchées. Donc par contre, il ne faut pas marcher sur le fond à couvert, voilà, très bien. Il ne faut marcher que à pieds nus, donc c'est bien, ou à pieds de chaussettes. Non, mais de toute façon, je préfère qu'elle soit toute pieds nus, c'est assez possible. Donc là, tu t'allonges à plat ventre. Le problème. J'ai pas d'ampoule, ça va. Super. Bon, alors, il ne fallait pas que je m'aplatisse. Je peux même contrôler mon zoom. Ah, très bien, elle est souriante, elle est mignonne. Parfait. On ne peut pas trop en rajouter, hein, alors, parce qu'après, les photos apparaissent automatiquement sur l'écran. Ouais. Et tu joues au billet. Alors, par contre, ce n'est pas assez accrocheur. Il faut que tu t'aplatisses plus pour que je puisse voir les yeux et la balle. Okay. En fait, je crois que la balle est trop près d'elle. Il faudrait que quelqu'un, du coup, éloigne les balles de son visage, les ramener vers moi. Ainsi que l'autre. Comme ça, en regardant la balle, elle va plus regarder l'objectif. Ouais, là, c'est nickel. Voilà, c'est exactement ça. Magnifique. Donc là, il faut se concentrer. Le pied est bien. Tout est bien. C'est magnifique. On n'a pas le pied entier. Non, on n'a pas le pied entier. Vous voulez le pied entier ? Son pied, hein. Oui, non, c'est à moi à dézoomer. Je peux dézoomer. Un tout petit peu. On va faire le pied entier. En fait, ce qui gêne, c'est le pantalon, il faudrait le baisser un coup.
pas au niveau de la cheville. Quelqu'un qui lui avait pris son pantalon au niveau de la cheville. Ah ben voilà, la cheville. Voilà. Ça, parce qu'il était trop noir, voilà, c'est mieux. T'es souple pour une sportive. Super. Bon. Ah, là, il y a la concentration. Et la précision. On a reculé ton corps encore de 50 cm plus loin, de façon à ce que tu aies des mouvements plus allongés et plus gracieux, tu vois, tu peux mettre le bras plus loin, ouais, voilà, ça sera plus joli. Magnifique. Très bien, ça a plus de pêche. Voilà, les fesses, tout est bien, magnifique, le regard est très bon, la main très bien, les balles bien, les deux pieds marrons, excellent, vraiment excellent. Juste un petit chouïa. Est-ce que tu peux remonter très légèrement sur les avant-bras? Voilà, ça passe mieux avec le pendentif. Super. Remonte encore un petit peu. Voilà, très bien. J'aime bien les mouvements, voilà, voilà. Ça j'aime bien, voilà, par exemple. Ah ouais, c'est génial ça. Ça c'est bien. La concentration est très très bonne, les pieds sont bien. Ça cadre vraiment bien, je vais zoomer un peu plus. On va faire une très belle photo noir et blanc. Il n'y a pas de bavure. Super, il faut vraiment. Et là, on l'a déjà, rien que celle-là est jolie quand même. Il y a de la force quand même, moi je trouve ça pas mal. Génial. Puis les deux petits points là, voilà. Je la remplacerai peut-être. Tiens, je vais photographier une balle toute seule, nette. Alors, ça serait plus jolie si elle était nette. Tu as raison dans ce que tu dis. C'est le tour du coup que j'ai découvert tout à l'heure. Ah, elle ne voulait pas. Elle était peut-être.